Comme chaque année sur l'E3, il y a énormément de jeux de guerre, ça explose de tous les côtés, ça mitraille, ça bombarde. Mais il y a un jeu de guerre qu'on retiendra bien plus que les autres, regardez, c'est celui-là, un nouveau jeu star. Après le débarquement en Normandie, cette suite de Call of Duty vous propose de vivre d'autres grands moments de la Seconde Guerre mondiale, comme l'invasion de la Sicile par exemple. Au programme, trois campagnes solo et un mode multijoueur enrichi. De quoi satisfaire les amateurs dès le mois d'octobre.